félicitations, un record national, c'est quand même extraordinaire. Bah, ce qui est pour moi extraordinaire, c'est que je reviens de 3 années de blessure. Donc, je me suis fait opérer 4 fois du genou et j'ai sérieusement repris l'entraînement fin août, début septembre. Donc après quelques mois vraiment de reprise, la réussir tous mes essais au premier jusqu'à 4,70, un nouveau record de France, je pouvais pas rêver mieux, quoi. C'est quand même formidable, c'est une année tellement importante. Comment vous vous préparez pour la saison ? On va continuer sur la lancée. J'ai changé d'entraîneur l'année dernière et je m'entraîne avec Gérald Baudouin maintenant, qui est le référent du saut à la perche. Donc on est en train de mettre des choses en place et on va continuer dans la lancée de Londres. Beaucoup d'efforts, beaucoup de travail qui va quand même, et la récompense, c'est la médaille d'argent. Quel sentiment est en toi ? C'est indescriptible parce que j'en rêvais depuis tellement longtemps. Je courais tellement après cette médaille que j'ai eu les larmes aux yeux tout à l'heure. J'ai eu du mal à me remettre dans le concours à 75 tellement c'était sensationnel, quoi. Et quelle impression d'avoir une grande Yelena Isinbayeva qui revient en grande forme cette année. Ça vous poussait tous à aller plus haut, plus loin? Oui, c'est vrai que j'aurais fait toute ma carrière avec elle. On a commencé, on a le même âge et... Et la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était sur un championnat du monde cadet, on avait 15 ans, donc voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Super, merci. Merci encore.